Salut, bonjour à tous. Un plaisir de vous retrouver au réveil ce jeudi sur Canal 3 Bénin. Bienvenue dans votre matinale Actu Mater. Vivre avec nous l'actualité comme à nos habitudes. Eh bien, la pratique, malgré tout, le combat contre a du mal à disparaître. Une partie de notre élite continue de dilapider les fonds publics ici et une nouvelle fois. Plus d'1,3 milliard de francs CFA est détourné à la manœuvre des cadres de plusieurs ministères. Le rapport d'inspection générale transmis à la présidence de la République pour la période de janvier à juin 2021 fait état des irrégularités constatées dans la gestion financière et comptable des ressources publiques. Le relevé du Conseil des ministres, le dernier de cette année 2021, fait la une des journaux. À suivre dans un instant la revue des titres avec Wahab Ali Kouara, qui, par la suite, rappellera qu'aussi, il sera recruté l'an prochain 2000 élèves agents de police et 1 500 personnels des forces armées. L'annonce est faite et vous êtes invité à préparer votre bourse pour cela. À compter d'avril 2021, le ramassage des déchets ménagers passera de la gratuité à la facturation. Dans quelles conditions cela va s'opérer et quelles seront donc les modalités? Nous aurons les explications du directeur général de la société de gestion des déchets et de la salubrité. Valérie Lawson est notre invitée au forum. Et on verra par la suite comment les systèmes d'information peuvent-ils booster l'agriculture. Le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche du Bénin a mis en place un projet de transformation digitale des filières. On fera donc ce matin une immersion dans ce service avec Dr Abdou Aziz Sobabey, il est le directeur des systèmes d'information du ministère de l'Agriculture. Merci de prendre ces différents rendez-vous. On va prendre la température du jour. Attention, attention, la COVID-19 continue de sévir. Pour vous protéger et protéger les autres, vaccinez-vous. Vous êtes âgé de 18 ans et plus, vous pouvez recevoir les doses de vaccins contre la COVID-19. Vous avez 12 ans et plus, le vaccin Pfizer peut vous être administré. Alors faites le geste qui sauve. Rendez-vous dans les postes de vaccination implantés dans les formations sanitaires de votre arrondissement et de votre commune ou appelez le 136 pour tout renseignement. Les vaccins contre la COVID-19 sont sûrs, efficaces et gratuits. Pour tout savoir sur l'épidémie de coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Yeah.
Allez, on va prendre les informations à la une des parutions de ce jeudi. Wakabali Kwara, bonjour. Oui, bonjour Christian et bonjour à tous. Les membres du gouvernement, comme d'habitude, se sont rencontrés à nouveau hier mercredi. C'est sans doute le dernier conseil des ministres de l'année 2021. D'importantes décisions ont été prises et engagent l'avenir de toute la nation. On apprend qu'il y aura recrutement dans le rang des policiers et des forces armées. Il y a eu également irrégularité dans plusieurs ministères. Il y a des cadres de certains ministères qui continuent de confondre la caisse de l'État à leur propre poche. Et c'est ce qu'a révélé le Conseil des ministres hier, mercredi 22 décembre 2021. Ainsi, à travers 197 rapports provenant de 14 ministères, des cadres ont fait preuve d'ingéniosité pour détourner les deniers publics évalués à 1,382,177,711 francs CFA, dont 88 889 578 francs CFA qui ont été donc déjà remboursés. Chose curieuse, c'est que le directeur départemental Oumé Plateau du cadre de vie, n'est-ce pas, a lui seul dévié 2 200 000 francs CFA à travers des tickets valeurs. Achetez Fraternité, vous allez le reste des détails. Fraternité qui, bien entendu, ce matin titre dernier conseil des ministres de l'année 2021, défense et sécurité du renfort avec 1 500 militaires et 2 000 policiers à recruter. La malversation à la peau dure, plus du milliard détourné par des cadres de plusieurs ministères. Pour non-respect du code de déontologie, l'ODEM condamne 6 organes de presse. À la une du quotidien de service public La Nation, orthodoxie financière et comptable, des irrégularités relevées dans plusieurs ministères. Projet SMS City, les raisons du choix de Ouida. Quotidien Le Matinal, Conseil des ministres, 1 milliard de moins perçu pour l'État dans des ministères. Les rapports d'IGM examinés, 3 500 policiers et militaires recrutés courant 2022. Ouida hérite du projet SEME City. Les raisons à retrouver tout à l'heure en son et en image dans nos différentes éditions. Le compte-rendu donc de Wilfried Leandro Mbédi à suivre. Projet de développement de la zone touristique sur le littoral, les populations invitées au respect des tests. On va maintenant à la une du quotidien Le Soleil Bénin Info, secteur des arts et de la culture au Bénin. Patrice Talon fait le ménage. Quotidien La Cloche, mauvaise gestion du patrimoine de l'État dans 14 ministères, plusieurs agents indélicats dans de beaux draps. Ils ont distrait près d'un milliard de francs CFA. Et puis renforcement des effectifs des forces de défense et de sécurité, 2 000 élèves, agents de police et 1 500 personnels des forces armées béninoises à recruter. L'autre vision, assistance aux enfants vulnérables et lutte contre le phénomène Vidomégon. Armand Ganset, directeur général de la SOGEMA, reçoit les félicitations et bénédictions du pape François. Et puis revalorisation du salaire des fonctionnaires de l'État. Kazmi Dossou Kanakin salue l'engagement du président Patrice Talon. Matin libre, rapport national sur les droits de l'homme au Bénin, le reflet de la rupture rebute des turiféraires. Et puis conseil des ministres, les représentants de l'ANCB connus, le Luc Setondier à Tropo conduit le groupe. Palabre au quotidien, grâce présidentielle suite aux condamnations de Rekia Madougou et de Joël Aïvo, l'honorable Gérard Benossi invite Joël Aïvo et Rekia Madougou à faire le premier pas. Et puis malgré tout, le bruit autour de la lutte contre la corruption et autres infractions connexes, détournement de plus d'un milliard de francs CFA dans 14 ministères. Quotidien Djakbata, recrutement annoncé dans l'armée béninoise, 3 500 jeunes béninois bientôt habillés et puis 2 000 policiers et 1 500 militaires recrutés courant 2022 pour renforcer la sécurité, constate Quotidien Djakbata. Info matin.
des crispations du climat politique national et si Talon et Soglo s'offraient une rencontre comme cadeau de fin d'année, s'interroge le journal. Et puis Carnet Noir, le dramaturge Camille Amouro tire sa révérence. Nord-Sud quotidien, pour finir, Christian Dandéjan, Festival international de Porte Novo. Charlemagne Nyankoti, maire de la ville capitale, dévoile le contenu de la 5e édition. Voilà, Christian, tout rapide, hein, d'apparition ce matin avec Fraternité qui revient sur ce relevé du Conseil des ministres et nous apprend qu'il y aura 1500 militaires et 2000 policiers à recruter courant 2022. Il y a eu également malversation dans 14 ministères au Bénin. Justement, malversation financière dans 14 ministère à travers donc 197 rapports et vous l'avez rappelé tout à l'heure à travers la une des journaux Wahab Ali Para. C'est un sujet qui anime déjà les débats, hein, depuis hier après la publication du relevé du conseil des ministres dans les groupes et dans l'opinion publique au forum de discussion ce matin. Nous dirons également un mot. En fin d'édition, vous aurez votre revue de presse avec Narcisse à l'Osset. Prenez donc le rendez-vous dans un instant. Le tout image, un bâtiment flambant neuf pour les hommes et femmes du barreau béninois. La maison de l'avocat, après une attente non négligeable, a été donc inaugurée. C'est le début d'une série d'activités diverses inscrites dans l'agenda de l'Ordre des avocats du Bénin. Vous aurez donc les précisions. Et puis, il y aura des pourparlers. Il y a eu des pourparlers et discussions sur le développement de l'arrondissement de Zonkon à Djidja. Les retrouvailles entre chefs quartiers de village de cette commune du Zou en sont l'occasion propice. Tous les 95 élus locaux convoqués à cette rencontre tout aussi festive que décisive ont répondu présents. Le développement de tous ces titres dans ce tout image. Chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité, pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévision, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95 74 29 23, 95 74 29 25, 97 77 33 02. 96 61 13 30 69 17 99 99 69 23 55 55 61 62 12 02 WhatsApp email canal3benin@yahoo.com info@canal3television.com fraternitefm@yahoo.com fraternews@yahoo.com. Vous aimez la qualité, vous exigez la finesse. Pour tous vos travaux en impression, flyers, affiches, dépliants, brochures, calendriers, facturiers, faire-part, cartes de mariage, cartes de visite et vos travaux en sérigraphie. Une seule adresse, l'imprimerie du groupe de presse Fraternité qui vous propose des prix défiant toute concurrence. Imprimerie Fraternité, c'est une équipe dynamique avec du matériel de dernière génération capable de vous produire en quantité, qualité et avec célérité. Imprimerie Fraternité, nous sommes situés à Ménotin dans l'avant de la station Sonacorp. Contact 97 60 79 34 95 34 10 47. À l'imprimerie du groupe de presse Fraternité, la qualité est garantie. C'est ici le lieu de convergence de l'ensemble des avocats du Bénin. Et le nom de l'imposant édifice à l'entrée du tribunal de première instance de Cotonou en indique si bien la destination. La maison de l'avocat, pour ainsi dire, le siège de décision et d'administration du barreau béninois. L'ordre des avocats du Bénin a enfin son siège. Après plus de deux décennies qui auront fait couler sous le pont des bâtonniers et conseils de l'ordre successifs, beaucoup d'eau et moult incompréhensions. Témoignage d'anciens bâtonniers du Conseil de l'Ordre. À force de multiplier les invitations, les avocats invitaient les magistrats invitaient les avocats
Et puis même des greffiers s'en sont mêlés, nous évitaient. Et on a réussi à faire ce rapprochement. Parce que tant qu'il y avait le conflit, les magistrats s'opposaient à ce qu'on donne un terrain sur la superficie du palais de justice au barreau. Les fondations de la maison ayant été mises en terre, on recherchait à faire avancer et à enfin, comme nous sommes ici, nous sentir très à l'aise. Et c'est sur cette deuxième partie, longue de plusieurs épisodes, que moi je suis apparu comme bâtonnier. Témoignage aussi de Maître Honkari, dont l'ancienneté au barreau du Bénin porte avec elle l'histoire de la construction de ce qui est devenu la maison de l'avocat. L'assistance a eu droit à une brève présentation du chef-d'œuvre par l'architecte. Projection animée ensuite des bâtonniers du Conseil de l'Ordre pour retracer aux personnalités invitées les figures qui ont conduit l'Ordre des avocats à ce stade. Mes très chers consoeurs et confrères, grâce à votre engagement à tous, à votre participation active et à votre soutien, il a été possible de réunir les fonds nécessaires pour lancer les travaux et nous avons vu se lever petit à petit les murs de ce bel ouvrage qui abritera officiellement dès ce soir les bureaux administratifs de l'Ordre des avocats du Bénin, les réunions du Conseil de l'Ordre ainsi que nos différentes assemblées générales et formations. La mise en service de cette maison de l'avocat donne le top à une série d'activités qu'organise le barreau du Bénin. Au programme, prestation de serment d'une nouvelle promotion de défenseur de la veuve et de l'orphelin. Également prévu la rentrée solennelle du barreau. Tout fait rythmé et agrémenté par les prestations artistiques des avocats, anciens comme nouveaux, qui révèlent assez bien leur talent. L'audience solennelle est projetée en direct afin de permettre à la grande masse de personnes invitées de vivre en direct depuis l'enceinte extérieure et le rôle de la cour d'appel de Cotonou, l'ambiance dans cette salle qui ne pouvait contenir que des personnalités membres de la profession judiciaire et des hautes institutions de la République. Ils sont 38 avocats, hommes et femmes, apprêtés ce jour 22 décembre 2021 devant la cour d'appel de Cotonou, le serment de porter secours et assistance à la veuve et à l'orphelin. Dans aucun clou, non, j'en viens monir. Pour qui connaît si bien l'histoire du barreau béninois désormais arrimé au règlement de l'UMOA régissant l'exercice de la profession d'avocat dans les États membres, jamais aussi grand nombre d'avocats n'ont été admis en une seule promotion. C'est une première et les réquisitions de l'avocat général le relèvent si bien. Cette promotion de 38 est une promotion qui sera suivie comme du lait sur le feu. Comme vous le savez très bien, votre admission a donné lieu à beaucoup de controverses et de polémiques. À vous de prouver que vous méritez d'être admis. Sur les 38 qui prêtent serment, seuls deux sont avocats confirmés. Les 36 autres ayant un statut d'avocat stagiaire. Avec ce nombre d'entrées au barreau béninois, c'est plus de célérité dans l'assistance conseil et la défense des justiciables. Nous attendons de vous que vous pensiez comme un avocat, c'est-à-dire celui qui empêche la machine judiciaire de ronronner, d'écraser, en contraignant ainsi le juge à chercher, à douter toujours avant de trancher. Je vous encourage donc à relever tous les défis auxquels notre profession est confrontée à cette fin. Sachez que notre déontologie, qui est la force de notre profession, indispensable aux justiciables, vous y aidera. Devant les présidents d'institutions et différentes personnalités des barreaux du Sénégal, du Mali et du Togo, ajoutés aux bâtonnets de l'Ordre des avocats du Burkina Faso, les nouveaux entrants dans la noble famille des hommes en toge noire s'obligent respectivement au respect du code de déontologie. Respectez les termes de votre serment. Ne soyez pas des avocats qui créent
des incidents d'audience. Évitez autant que possible les incidents à l'audience. La cérémonie de prestation de serment intervient après celle au cours de laquelle les nouveaux entrants ont été édifiés au port de la tauge. Ce rituel organisé dans la maison de l'avocat consacre la remise des tauges par les aînés et toute l'explication et la noblesse qui entoure la tauge elle-même. Yo, yo, dans mes vies, sous, dans mes vies, on oublie, bon, non, et là, donc, ben, nous, c'est désormais officiel. Le roi d'Abomey a rejoint ses ancêtres. La nouvelle a été portée à la connaissance des Danromenou ce mercredi en langage codé. L'information qui circule depuis quelques jours sur les réseaux sociaux vient d'être annoncée de façon officielle, comme l'exige les normes du royaume. Dans le Danromen, il y a des normes, il y a des manières de faire. Donc notre conscience collective nous a légué ça là et à ce moment précis, l'événement que vous soupçonnez déjà est annoncé en langage codé. Vous avez reçu le message, hein? Vous avez reçu directement de la voix la plus autorisée. Néanmoins, je veux préciser encore qu'il s'agit d'annoncer à toutes les filles et à tous les filles de Danromen la situation qui prévaut dans le palais. Donc pour le moment, comme on le dit, si je vais faire une traduction littérale, à vivre le romain. Pour l'heure, le roi est parti mais n'est pas mort, selon la coutume font. Il ne le sera qu'à la fin d'une kyrielle de cérémonie déjà entamée par les notables prêtres et autres personnalités traditionnelles. Pas donc de pleurs ni de larmes ou toute autre marque de tristesse, plus aussi de manifestations de liesse, encore moins de mouvements de masse dans le royaume. Dit fièvre, ceux qui le savent connaissent de quoi on parle, puisqu'il y a beaucoup de procédures. Et il y aura un grand jour, la cour qui a travaillé avec le roi de Danromen et qui continue de travailler va sortir pour dire encore une fois officiellement ce que vous savez et que tout le monde est en train de le dire. À Danromen, Danromen, je leur demande de tout faire pour que la paix règne dans notre cité historique. Si on dit à vivre le Romain, c'est en ce moment que les transactions commencent. C'est pourquoi je demande à tout le monde de cultiver l'amour de la paix. Désigné suite au décès du roi Agoli Agbo il y a environ 4 ans, Dada Kefa Sagbadou Glele s'en est allé alors qu'il préparait les grandes cérémonies de purification du royaume et d'hommage aux ancêtres. Le souverain était âgé de 85 ans. Premier contact des citoyens en matière de gouvernance locale. Les invités sont ici félicités pour leurs efforts et la mission qu'ils accomplissent. À Djidja ce dimanche, chef village et chef quartier étaient à l'honneur. L'événement a connu la présence de cadres, personnalités politico-administratives et autres. Le développement d'une commune passe nécessairement par ses fils et filles. Donc cette séance de retrouvailles est très importante pour pouvoir regrouper, réunir les fils et filles de Djidja. Quand nous réunissons les chefs quartiers, il faut savoir que tous les villages de notre commune ont été regroupés comme ça. Donc comme ça, on va essayer de changer beaucoup des questions du développement de la commune. Et lorsque le maire, le préfet, les ministres, le chef de l'État veulent avoir des informations réelles, ils se basent sur les chefs de village. Vous constituez donc les vecteurs de développement. Et lorsque nous allons nous mettre ensemble avec vous, sans considération de couleur politique, ni de religion, ni de région, je crois que nous allons porter très haut l'étendard de la commune de Djidja. Les retrouvailles visent également à les amener à cultiver l'union. Le chef de l'arrondissement de Zoukon, initiateur de cet acte de reconnaissance envers les chefs villages et chefs quartiers, a saisi l'occasion de cette rencontre pour les inviter à donner le meilleur d'eux-mêmes, afin qu'ensemble, ils poursuivent l'œuvre de développement de leur localité. J'ai regroupé les 95 chefs villages de la commune de Djidja juste pour les encourager et qu'ils continuent dans cette même lancée pour que le développement de Djidja soit une chose effective et redoubler davantage d'efforts. Parce que le développement commence d'abord par eux. Et vous savez, avant que l'objectif du chef d'arrondissement ne soit atteint, il faudrait qu'il ait sous lui
des chefs villages efficaces, rompus à la tâche. Élus républicains et progressistes ont tous honoré de leur présence à ce rassemblement. Ils n'ont pas manqué d'exprimer leur gratitude à l'organisateur. Ces chefs villages et chefs quartiers ont émis le vœu de voir l'initiative se pérenniser. C'est des initiatives à encourager. Il faudrait que ça se répète. Il faudrait que les autres chefs d'arrondissement prennent exemple sur lui. C'est un jeune, on doit l'accompagner. Vraiment, les mots me manquent pour qualifier ma joie aujourd'hui. Et je remercie M. Chefis pour cette initiative. Les manifestations ont été étalées sur toute la journée. Elles ont pris fin par une distribution de présents. À la fin, tous se sont repartis avec l'espoir de se retrouver pour une deuxième édition plus édifiante. Une bataille est gagnée et vaut ce couronnement, mais pas la guerre tout entière. Ce serment est le gage renouvelé d'une plus grande abnégation et rigueur au travail pour une meilleure gestion des finances publiques au Bénin. Ces 9 directeurs d'administration et des finances, des ministères et autres structures publiques franchissent ainsi la ligne d'arrivée d'une course de plus d'une cinquantaine de cadres financiers au départ. Le tri a été fait selon des critères bien déterminés par l'organisation non gouvernementale Réseau Bénin Espoir sous la coupole de l'Observatoire mondial de la bonne gouvernance. Pour être sélectionné, il faut s'assurer que vous êtes effectivement dans le fichier national des DAF. Vérifiez si une bonne période, si vous êtes réellement en phase avec les principes de la bonne gouvernance dans le secteur de l'administration et des finances. Aujourd'hui, la réforme souhaite que les directions de programmation et de prospective et la direction de l'administration des finances deviennent un des postes de départ. Aujourd'hui, nous avons décoré les meilleurs directeurs de l'administration des finances. L'organisation est en train de dire que nos nominés aujourd'hui méritent d'être promus à ces postes de départ. Après les cadres et les élus de l'administration territoriale, ces nouveaux ambassadeurs de la bonne gouvernance, honorés à cette occasion, portent le flambeau d'une gestion rationnelle et efficiente des fonds d'État. Ils mesurent donc la portée de cette récompense comme étant une invite à plus de résultats dans la suite de leur carrière respective. Nous n'arrivons pas à croire à notre entendement qu'il puisse exister dans l'environnement social ici au Bénin des observateurs extérieurs qui nous surveillent dans nos actes et nous évaluent sur des critères aussi objectifs et très bien élaborés à notre insu. Les nominés ont salué la réforme du fichier national des cadres de la chaîne des dépenses publiques sans laquelle ils ne sauraient, disent-ils, avoir la chance de faire valoir leurs compétences. Hymne national et revue des troupes. Le ministre délégué chargé de la Défense nationale passe en revue les troupes. Il est suivi du chef d'état-major général des forces armées béninoises et du chef d'état-major de l'armée de terre. Cette cérémonie annonce les couleurs du séminaire des chefs de corps de l'armée de terre élargi aux commandants des écoles et centres de formation interarmées. Un événement de taille au profit des officiers supérieurs chargé de matérialiser au quotidien les directives de l'état-major général des forces armées béninoises en termes de défense de l'intégrité du territoire national. Je sais que le commandement des troupes est un art complexe, mais les différentes formations et expériences acquises tout au long de vos parcours respectifs vous permettront de rendre simple cette complexité pour accomplir les missions qui vous sont confiées. Je vous demanderai donc de toujours garder à l'esprit que votre métier est un sacerdoce qui exige humilité, capacité d'écoute des subordonnés et surtout générosité dans l'effort au service exclusif de l'intérêt général que représente l'institution militaire. Ce séminaire des chefs de corps de l'armée de terre
s'inscrit dans le cadre de la formation continue des officiers et vise à mieux aguerrir les chefs de corps à l'exercice de leurs fonctions. Cette formation représente également un cadre d'échange et de partage dans l'exigence d'amélioration du niveau de formation des cadres pour leur permettre de faire efficacement face aux multiples défis liés à l'environnement opérationnel marqué par l'élargissement et la complexité des menaces aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur des frontières. Il importe que vous sachiez la détermination du chef suprême des armées à prendre les dispositions idoines afin de vous permettre de mieux rayonner et d'avoir l'ascendance sur ces terroristes qui ne devront à aucun moment atteindre leur objectif. Ensemble avec les chefs de corps de l'armée de terre, c'est le lieu d'analyser l'environnement géostratégique de la sous-région afin de redéfinir des bases essentielles pour mieux assurer la mission régalienne au quotidien. Une question essentielle sur toutes les lèvres dans cette salle de conférence de l'hôtel Bel Azur de Grand Popo. Que faire pour capter des financements afin de mener à bien des projets de recherche? Le Fonds national de recherche scientifique et de l'innovation technologique, FNRCIT, y apporte une réponse en organisant cet atelier de formation destiné à renforcer les connaissances des chercheurs en matière de techniques de rédaction, des projets de recherche-développement et élaboration de business plans pour innovation. On a constaté que lors des appels à projets, il y a plusieurs soumissions, mais au finish, à la fin, nous n'avons pas une bonne façon d'élaborer les projets qui puissent vraiment accrocher le financement du fonds. Et pour pallier ces insuffisances liées à la façon de présenter les projets, aux arguments, aux différentes étapes de la rédaction du projet, que nous sommes dit, il faudrait qu'on vienne ensemble renforcer encore les capacités de ces coordonnateurs de projets et de ces chercheurs qui ont l'habitude de participer à nos appels à candidature. Les participants proviennent de plusieurs structures de recherche, tant publiques que privées. Il sera question, durant la formation, de l'identification du thème à la rédaction du projet, de la structuration du plan de rédaction de projet, de recherche et programmation de la rédaction et de l'étude de quelques guides et canevas de présentation des projets de recherche suivant les partenaires techniques et financiers. Nous donnons cette formation dans les centres de recherche en Afrique de l'Ouest, au niveau des universités publiques en Afrique de l'Ouest, pour outiller les collègues à pouvoir monter des projets de recherche qui puissent convaincre les bailleurs. Et c'est ce que nous allons faire tout au long de la semaine ici à Grand Popo. Ce sera une formation très pratique et à l'issue de la formation, comme on l'a constaté ailleurs, on espère vivement que vous allez décrocher des projets de recherche. La formation dure 5 jours. Elle se fera sous forme d'exposés, de travaux de groupe et de travaux individuels. Il faut souligner que le FNRCIT est un établissement public à caractère social, culturel et scientifique, sous tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Et voilà, c'était le Tout Image ce jeudi matin. Merci de nous avoir suivis. On va poursuivre ce numéro d'Actu Matin avec, dans un instant, le journal des sports présenté par Ali Moumouni. Et par la suite, le forum de discussion va s'installer. Principal sujet à aborder, c'est bien sûr la collecte des déchets solides ménagers avec cette annonce qui a été faite, la fin de la gratuité pour 2022. À partir d'avril 2022, les ménages payeront donc la facture. Comment cela va-t-il se faire? Quelles sont donc les dispositions prises par la SGDS pour emmener les ménages à payer le ramassage des ordures? Question que nous aurons à poser dans pratiquement 20 minutes à Valérie Lawson, directeur général de la SGDS. Hey, la famille Canal Plus
Venez passer les fêtes avec nous. Venez, on vous attend. On vous attend sur votre nouvelle chaîne, Canal Plus Pop. On vous attend aussi sur Canal Plus Premier. Et toujours sur les chaînes Canal Plus Sport. Pour vibrer ensemble. Pour vivre ensemble. Et pour passer les fêtes ensemble. En ce moment, chers abonnés, Canal Plus a un cadeau pour vous. Dès votre réabonnement, profitez de 15 jours offerts à tout Canal Plus. Pour célébrer, s'émerveiller, passage en vitesse, Mac Noël, redécouvrir toute la richesse de nos programmes et partager toujours plus de moments avec vos animateurs préférés. Venez, on vous attend. On va passer Noël. Alors, n'attendez plus pour vous réabonner. LBM, notre passion vous transporte. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 est sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Allez, c'est les sports sur Actu Matin. Bonjour à vous, Ali Moumouni. Bonjour Christian. Bienvenue. Merci. Eh bien, on va parler de la 10e journée de la Ligue Pro. Oui, la 10e journée de la Ligue professionnelle du Bénin a démarré hier, donc sur les différents stades du Bénin. A commencé donc par la zone septentrionale, la zone A bien entendu. Damissa était donc à domicile face à Dynamic FC de Djougou, comme vous le constatez sur ce tableau que vous seront affichés tout à l'heure. Damissa s'est imposé à son adversaire sur le score d'un but à 0. Dynamo de Parakou et Buff se sont séparés dos à dos sur le score d'un but partout. Score identique entre l'association sportive Takoné et Real Sport. Voilà, dans la zone B, la 10e journée toujours, Dynamo d'Abomey s'est imposé 2-0 face à son adversaire, l'Auto FC. Rodio s'est imposé également 3-0 face à la Estonair. Énergie s'est inclinée à domicile face à Dadier, score à l'arrivée 2 buts contre 1. Espoir de Savalou, 2-0 face à Soleil. Dans la zone C, Coton FC a battu les Requins de l'Atlantique, score à l'arrivée 1-0. L'association sportive de Cotonou s'est imposée à son adversaire, l'association sportive de la police républicaine, sur le score d'un 1-0. UPONM a battu ASPAC sur le score de 2-1. Et puis pour finir avec les différents résultats, on passe à la zone D, et donc la zone de Lomé Plateau. Ayema s'est imposé largement à son adversaire, 3-1 à l'arrivée. Victoire pour Ayema face à la jeunesse sportive de Pobé. La jeunesse athlétique de Ketou et Dadje et Jeffa FC pardon, se sont séparés sur un score de parité, 1-1 entre l'ASVO et Azos. C'est un score nul de 0 but partout. Et puis sur le Map Sport qui s'est incliné face au Dragon de l'UME à l'arrivée, score 0 but contre 1. Christian, on va donc donner les résultats, les programmes, la suite des affiches prévues pour le compte de cette 10e journée aujourd'hui, jeudi 23 décembre 2021. Donc dans la zone A, la zone septentrionale, l'Union sportive des Cavaliers de Niki accueillera à domicile les Panthers FC de Djougou, rencontre prévue pour démarrer à 16h. Et dans la zone C, Sitatunga aura pour adversaire Éternel Omnisport. Voilà donc ce qui concerne les différentes affiches, la suite de cette 10e journée de la Ligue
Ligue professionnelle du Bénin Cochon. Voilà. Et puisque nous sommes jeudi, l'interview du jeudi. Ah oui, pour l'interview d'aujourd'hui, on s'est intéressé à un footballeur, un milieu de terrain de prédilection, bien sûr, très bon dans la lecture de jeu. Fadil Bawa est l'actuel capitaine de Coton FC. Après une expérience au Maroc, le joueur évolue désormais au pays dans cet entretien et nous parle un peu de sa carrière, ses ambitions et comment il s'est retrouvé avec le nouveau club de Ouidah. On va le suivre. Ouais, certainement. Bon, c'est une partie de ma vie et je l'accepte parce que ce que Dieu a dit. Ouais, c'était à Dakar et c'était au cours de l'UFOA. Et à la 19e minute, je prends un coup dans mon tibia et c'était une fissure. Et ça m'a. C'est vrai que c'est dur, mais c'est venu comme ça. Je l'ai accepté, je suis rentré au Maroc et voilà. Le club n'était pas du tout content de ma blessure, puisqu'on était mal positionné. Et on voulait des joueurs qui sont aptes pour faire le job. Voilà que moi, je suis fissuré et que je dois attendre au moins 2 mois avant de reprendre. Donc, dans leur esprit, c'était que de résilier. J'ai compris, j'ai fait la résiliation. Je suis revenu au pays et j'ai commencé avec énergie en période de Covid. Et c'est venu encore, Covid est venu encore arrêter tout. Voilà, on est resté comme ça. Après, je suis reparti encore au Maroc. J'ai signé avec le CAC. Et c'était aussi une bonne expérience. Mais après, j'avais eu un truc à l'étranger que je voulais partir. On ne s'est pas entendu, j'ai résilié. Me voilà encore au pays, encore avec Coton. Mais j'avoue que vraiment c'est bien pour moi, c'est bien pour moi de bien me relancer, de bien profiter un peu de la famille aussi et tout ça. Voilà, c'est un peu l'histoire, ce qui s'est passé pendant tout ce temps. Ouais, c'est vrai que quand ça va venir, ça vient tout seul. Parfois, on n'arrive pas à comprendre. J'étais là quand le coup de fil est venu. Et ils m'ont présenté le projet. Ça m'a fait beaucoup plaisir que maintenant au pays, il y a de belles choses qui se passent. Ça m'a beaucoup fait plaisir. J'ai dit pourquoi pas ne pas rester et faire aussi ce parcours-là pour voir aussi ce que ça va donner. Je dirais plus ou moins que c'est un mérite parce qu'il y a beaucoup de cas dans l'équipe et l'entraîneur a fait le choix sur moi. Vraiment, je dirais que c'est une grâce, c'est aussi une mérite. Parce que si je ne le méritais pas, ça n'allait pas porter sur moi. Voilà, c'est une mérite et c'est aussi une grâce, je dirais. C'est vrai qu'il n'y a rien de facile, mais quand on a la bonne compréhension des choses, ça devient encore plus facile qu'on ne le croyait. C'est des gens que je respecte aussi, c'est des gens qui aussi ont vécu. Et ensemble, on essaie de faire avec, de faire, on met tout le monde met la main dans la pâte pour que ça soit vraiment, pour qu'on puisse accompagner le projet comme il le faut. Parce que c'est un projet à ne pas vraiment, qu'on doit prendre à cœur. Donc tout le monde, que je sois capitaine, que je ne sois pas capitaine, c'est un projet qu'on doit accompagner tous. Parce que c'est la première fois, franchement, que moi je vois un truc pareil dans notre pays. Et vraiment, il faut que ça accompagne. Que ce soit joueur, journaliste, entraîneur, vraiment, il faut que ça accompagne. Vraiment. Ouais, après, c'est l'équipe. C'est l'équipe après, mais bon, chacun a sa qualité et chacun mise sur sa qualité pour pouvoir s'en sortir. Mais après, c'est le travail de groupe et quelquefois aussi l'inspiration vient. Je ne suis pas habitué à tirer les coups francs, mais sur quelquefois l'inspiration vient. Je dis, bon, laissez-moi, je vais essayer ça. Et quand j'essaie, ça marche. Et vraiment, je suis vraiment content pour ça. C'est quoi les qualités? Ouais, je suis plus dans la récupération et sur les premières phases de sortie de balle, je suis plus là-dessus. Voilà. Je détruis un peu, je les aide à orienter les ballons avec mes coups de pied, changement d'aile et tout ça. Voilà, c'est un peu ma qualité, un peu costaud dans les récupérations. Et
Après, si j'ai la chance de me retrouver face au poteau, j'essaie de m'appliquer, de mettre mes plats du pied bien dans le filet. Ouais, comme vous le savez tous, c'est vraiment c'est un entraîneur que le palmarès en dit. Donc, tout ce qu'il nous dit, nous, on sait que c'est pour notre bien. Donc, on essaie de prendre ça du bon côté, de se remotiver. Et puis après, ça paye dans le terrain. C'est un entraîneur qui nous apporte beaucoup, beaucoup. Et avec ses collaborateurs, vraiment, c'est une chance pour nous d'être à leur côté, d'apprendre à leur côté et d'être à l'écoute. On ne peut pas, il n'y a même pas de mots pour l'expliquer, on ne peut pas être face à ce projet et dire qu'on veut jouer le dernier rôle. Non, jamais. Ça, c'est le titre non-vice. Que ça soit dans ma tête ou dans la tête du groupe, c'est le titre. Et on travaille pour. Vous allez constater, dans le travail tout à l'heure, c'était vraiment engagé. Tout le monde est motivé. Et je suis sûr qu'avec ce qu'on fait et la grâce de Dieu, ça va pouvoir donner. Je dirais les deux, parce qu'il faut faire des preuves quelque part avant d'être en A. Si j'ai la chance d'être en local, c'est aussi quelque chose que je vais en profiter pour montrer que j'ai aussi de la qualité pour être en A. Donc les deux, que ce soit en A' ou en A, c'est toujours le pays. Donc on se mouille pour le pays. Vraiment. Quand je les vois, je suis vraiment content parce que je ne peux pas le dire, la joie que ça me procure quand je les vois dans les tribunes crier Coton, Bawa, Romaré, vraiment ça fait beaucoup plaisir. J'ai envie de leur dire vraiment que sans eux, nous ne pourrons rien sans eux, vraiment qu'ils soient derrière nous tout le temps et qu'on fera tout possible pour être vraiment à la hauteur de leurs attentes. Allez, Fadil Bawa, milieu de terrain de prédilection, très bon joueur techniquement, qui a une bonne qualité en termes de lecture de jeu, Christian. C'est un joueur tempéré et puis lucide également. On lui souhaite une bonne chance pour la suite de sa carrière. Une bonne carrière, voilà. Merci beaucoup. Merci à vous pour ces informations sportives. Demain vendredi, on va vous retrouver. Oui, avec les affiches du week-end. Du week-end, ouais. D'accord. Rendez-vous pris. Bonjour à vous, Herman Aliambosu. Bonjour, Christophe. Bienvenue en plateau. Merci. On va installer le plateau de la discussion, emmené par Assion Mokani, Assion Bon, Wahab Alipara, et notre invité Valérie Lawson, directeur général de la Société de gestion des déchets et de la salubrité. La pause pub. LBM, notre passion vous transporte. Pour les fêtes, il n'y a rien de plus magique que de vivre de bons moments en famille. C'est la fête de Noël. Alors rejoignez celle de Canal+, et passons les fêtes ensemble. Pour vous souhaiter la bienvenue, le décodeur est à 1000 francs seulement. C'est la fête de Noël. Ça sera la musique ou rien. C'est tout. De quoi rire. Nous avons un duel Afrique de l'Ouest, Afrique centrale. Danser et enflammer vos soirées. Extraordinaire frappe. Partager des moments forts, pleins de rebondissements. Splendide. C'est grandiose. Et même faire rêver les plus petits. Passage en vitesse, Mac Noël. Tout est prêt pour qu'on profite de Noël ensemble. Attention, attention, la COVID-19 continue de sévir. Pour vous protéger et protéger les autres, vaccinez-vous. Vous êtes âgé de 18 ans et plus, vous pouvez recevoir les doses de vaccins contre la COVID-19. Vous avez 12 ans et plus, le vaccin Pfizer peut vous être administré. Alors faites le geste qui sauve. Rendez-vous dans les postes de vaccination implantés dans les formations sanitaires de votre arrondissement et de votre commune ou appelez le 136 pour tout renseignement. Les vaccins contre la COVID-19 sont sûrs, efficaces et gratuits. Pour tout savoir sur l'épidémie de coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin.
LBM, notre passion vous transporte. Hey, la famille Canal Plus, venez passer les fêtes avec nous. Venez, on vous attend. On vous attend sur votre nouvelle chaîne, Canal Plus Pop. On vous attend aussi sur Canal Plus Premier. Et toujours sur les chaînes Canal Plus Sport. Pour vibrer ensemble. Pour vivre ensemble. Et pour passer les fêtes ensemble. En ce moment, chers abonnés, Canal Plus a un cadeau pour vous. Dès votre réabonnement, profitez de 15 jours offerts à tout Canal Plus. Pour célébrer, s'émerveiller, passage en vitesse, Mac Noël, redécouvrir toute la richesse de nos programmes et partager toujours plus de moments avec vos animateurs préférés. Venez, on vous attend. On va passer Noël. Alors, n'attendez plus pour vous réabonner. Allez, ce jeudi sur Actu Matin, il sera question d'environnement avec la salubrité, le ramassage des ordures dans pratiquement toutes les grandes villes du pays. Et nous avons en plateau Valérie Lawson. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes le directeur général de la société de gestion des déchets de la salubrité. Eh bien, cette annonce, hein, la fin de la gratuité annoncée pour 2022 à partir d'avril, selon les informations que nous avons reçues, eh bien, le ramassage des ordures sera désormais facturé. Comment cela va se faire? Quelles sont les conditions? On va en parler avec notre invité. Bonjour à vous et bienvenue à Siomo Kanya Siomo. Bonjour Christian, bonjour chers téléspectateurs. Voilà, vous avez réalisé un élément sur le ramassage des ordures. Nous allons revivre ça pour nous replonger un tant soit peu dans le sujet avant de revenir en plateau pour nos échanges avec notre invité. Le sujet. Dans la dynamique de l'assainissement dans les grandes villes du sud du Bénin, la société de gestion de la salubrité du Grand Noukoué fait la promotion de poubelles modernes. Dites homologuées, ces poubelles respectent certaines normes d'hygiène. Si dans certaines concessions, ce type de poubelle n'est pas encore dans les habitudes, au niveau d'autres, l'acquisition l'a été aussitôt et on estime que c'est une bonne initiative. Donc par rapport au ramassage des ordures, je crois que actuellement c'est adapté à la situation. Ils viennent régulièrement, fréquemment. Donc, on ne subit plus cette pression-là. Je me suis dit que si les gens déjà viennent et ils nous aident, et maintenant ils veulent une certaine amélioration, comment faire pour que le travail leur soit plus facile? Moi, j'ai pensé qu'il faut les aider. Donc c'est pourquoi tout de suite j'ai été prendre la dite poubelle. Rien que pour les aider, ils sont réguliers, ils font bien le travail. Bon, et puis la mairie aussi nous aide, puisqu'on ne perd même plus, on ne perd rien. Donc je me dis, mais ça c'est la moindre des choses, qu'il faut le faire pour les encourager, que c'est le bien de tout le monde. Ces poubelles sont pour l'instant disponibles dans le Grand Noukoué comprenant 5 communes. Cotonou, Abomey Calavi, Semekboudi, Ouida et Porto Nouveau. La sensibilisation autour de l'acquisition de ces poubelles se poursuit. Et comme résultat, l'écoulement se passe bien. La promotion des poubelles, ça coule effectivement, comme vous venez de le dire, tout se passe bien. Les ménages viennent s'en procurer également. Nous appelons à un changement de comportement. Et tout changement de comportement n'est pas immédiat, n'est pas facile. Donc nous sensibilisons la population pour qu'elle puisse comprendre la nécessité de se procurer des poubelles. Et les gens viennent acheter au fur et à mesure que le besoin se fait sentir. Et à la date d'aujourd'hui, nous sommes à un peu plus de 3000 poubelles déjà livrées aux ménages béninois. Nous avons aussi passé déjà une commande de 10 000 poubelles supplémentaires
pour les besoins à venir pour un futur proche. Pour l'instant, aucune contrainte vis-à-vis des populations du Grand Oukoué. Nous amenons plutôt la population à adopter le bon geste, se procurer une poubelle. Donc c'est plus dans une optique de promotion que nous intervenons. Sinon, la population aussi peut aller acheter des poubelles sur les grandes surfaces, dans les marchés, tant que la poubelle qu'elle achète fait partie des poubelles homologuées qui sont dans les normes, qui respectent les normes établies. La poubelle homologuée est obtenue à 25 000 francs CFA. Une somme que d'aucuns estiment trop forte pour eux. Ils demandent alors que ça soit revu. Mais par rapport aux poubelles, moi je pense le coût, c'est le coût qui est excessif. C'est le coût qui est excessif. Donc c'est pour revoir. Je crois que c'est un coût adapté aux sociétés, mais pour les ménages, c'est vraiment difficile à supporter. Donc revoir ça à la baisse, c'est tout. Le coût à la baisse. Essayer de voir s'il y a une politique pour réétudier le coût. On verra dans quelle mesure on pourra s'y adapter. Pour une efficacité dans les enlèvements des déchets solides ménagers, le gouvernement a opté pour des tricycles motorisés. Tricycles auxquels sont adaptées les poubelles homologuées. Cela facilite les conditions de collecte des déchets pour rendre le cadre de vie plus propre. Le travail se poursuit correctement sur le terrain. C'est vrai qu'avec les paniers, les bafana, les sachets, la collecte des déchets est plus rude pour les agents collecteurs. Avec les poubelles, ça permet de travailler dans des façons, dans des conditions plus adéquates. Sinon, à part cela, le ramassage des ordures, la collecte des déchets sur le terrain se poursuit sans problème auprès des ménages. On ramasse tout. Si on vient dans une zone, on ramasse tout. Même si le ménage n'a pas pu payer la poubelle homologuée, on essaie de ramasser leurs ordures, on desservit comme cela se doit. Quand on veut que la ville soit belle, ce n'est pas la propriété de la ville. On peut être pauvre, mais être propre. Ça participe du bien de notre pays, du bien-être, de la santé et l'environnement. Hein? Le cadre de vie doit être sain, propre, hein, attirant, agréable pour les étrangers. Il faut que nous aussi, qu'on fasse en sorte que les gens disent « Ah, j'irai à Cotonou, j'irai au Bénin », c'est ça, c'est comme ça. Depuis la création de la Société de gestion des déchets et de la salubrité du Grand Oukoué, les prestations sont faites sans aucun frais. La collecte est donc gratuite. Et les responsables de la SGDS invitent les concessions à se procurer la poubelle pour aider les sociétés de collecte à exercer sans difficulté. Voilà, c'était là un petit bilan de cette opération de ramassage des ordures. On se rappelle que jusque-là, c'est toujours la gratuité, mais cette gratuité tend vers sa fin. Nous allons voir avec les débatteurs en plateau et notre invité Valérie Lawson, le directeur général de la SGDS, comment prendra fin cette gratuité et quelles seront donc les nouvelles réglementations qui entreront en vigueur. Wahab Ali Ikbara, faut-il poursuivre avec la gratuité ou passer à la facturation comme le veut la SGDS? Comme si l'état d'âme de Wahab Ali Ikbara était aussi déterminant que c'est ça. C'est un citoyen, c'est pas que vos propos changeront quelque chose. Non, ce n'est pas très évident, oui. Puisque c'est plus ou moins acté en attendant qu'on ne décline clairement les modalités. Depuis qu'on a annoncé la gratuité, je crois, du ramassage des ordures par la SGDS dans les ménages et autres, on nous prévenait déjà de ce que plus tard ce serait payant. Courant 2022. Et je crois la date se fait connaître déjà, c'est à partir du 1er avril 2022. Au plus tard. Quelles sont les modalités? Je pense que c'est le Conseil des ministres qui va fixer le taux, mais on apprend déjà comment le prélèvement va se faire. C'est seulement le montant qu'on ne connaît pas. J'apprends qu'il faut au moins 70% sur les factures de la SBEE, ça c'est l'électricité, et 30%
5% du taux retenu, du coût retenu sur les factures de la SONEP. Mmh. Maintenant, les questions qu'il faut se poser, c'est après les modalités fixées en Conseil des ministres, les ménages où, par exemple, vous n'avez pas d'eau, vous n'avez pas la SONEP. Comment cela va se facturer? Les 30% bleus. Voilà, si chez Herman, il y a SONEP, donc on prélève eau et électricité, on prélève donc les 100% de l'autre côté. Si chez moi, il n'y a que l'électricité, n'est-ce pas? Comment cela se fait? D'accord. Est-ce qu'il y a égalité? Et je crois qu'il y a également les zones où, franchement, la SGDS, en tout cas les zones qui ne sont pas, qui sont desservies, comment cela va se faire? D'accord. Les zones qui ne sont pas prises en compte, comment cela va se faire? Je crois que... La question, est-ce qu'il fallait, poursuivre encore la gratuité? Je crois que dans aucun pays, on ne ramasse de façon gratuite les déchets. On permettait aux populations d'aller jeter gratuitement leurs déchets solides ménagers dans des coins donnés, dans des espaces vides. Mais là, on a été servi, les populations ont été servies pendant des mois, pendant plus d'une année, gratuitement. Et c'était déjà annoncé que ça va être payant par la suite. Mmh. Et déjà que la décision est prise à 4 mois de l'application ou de la fin de cette gratuité, je crois que c'est déjà bon parce que les populations sont déjà averties, sont déjà informées que ça va reprendre avec le paiement de ces factures-là. Et je crois que c'est même bien parce que pour que le travail soit vraiment bien fait et pour que la SGDS puisse faire face à ces charges aussi qu'elle a vis-à-vis des petites et moyennes entreprises avec lesquelles elle travaille, il faut que les populations, les ménages commencent vraiment pas payé. Et comme le disait Wahab, c'est le coût ou les coûts qu'on ne connaît pas encore parce que est-ce que ces coûts-là vont varier d'une région, d'une commune à une autre? Est-ce qu'on va toujours continuer par l'appliquer au niveau du rassemblement Grand Okoué? Qu'est-ce qu'il en sera? En tout cas, nous avons des précisions sur tout ceci. On vous écoute, Herman Anembousou. Oui, moi je pense que faire en sorte que désormais le ramasseur d'ordures soit et sa facturation, je veux bien savoir à quoi servent les ordures qu'on ramasse, parce que dans un contexte par exemple où les ordures ramassées servent à fabriquer une certaine énergie par exemple, ou dans un contexte où les ordures ramassées permettent par exemple de faire du maraîchage, de faire en sorte que nous puissions avoir une terre assez fertile, je me dis qu'on pouvait trouver le mécanisme pour faire peut-être en sorte, parce que justement, il y en a qui ont fait des soutenances de thèse sur ces ordures-là et qui ont postulé, par exemple, qu'on devrait faire en sorte que ceux qui donnent des ordures soient payés en retour. Parce que les ordures sont ce qu'on peut appeler une certaine richesse, constituent une certaine richesse dans un contexte où on les utilise pour fabriquer d'autres choses, dans un contexte où on les utilise pour fabriquer de l'énergie, par exemple. Alors donc, en venir à lancer un système qui consiste à facturer le ramassage des ordures, je pense que je veux bien que le DG nous dise pourquoi, alors qu'on nous a déjà habitués en quelques mois à ramasser ces ordures-là, alors qu'on nous a imposé des poubelles homologuées, pourquoi est-ce qu'on veut maintenant facturer ce service-là? Je pense que c'est l'une des questions qu'on va faire à notre invité. Disons la toute première question, mais jusque-là, je voudrais qu'on fasse d'abord un petit point sur l'opération en elle-même, depuis son démarrage, la gratuité dont on parle. Est-ce que ça a profité aux populations, à la SGDS, à l'État béninois dans son ensemble? Merci beaucoup. Oui. Je vois que vous êtes suffisamment approprié du sujet parce que je suis d'ailleurs content de vous parce que vous êtes vraiment un partenaire. Et donc, puisque on a besoin de vous pour vraiment informer, sensibiliser la population, est-ce que ce travail que nous avons commencé depuis bientôt 18 mois a profité à l'État, aux populations? Je dirais ça a profité à tout le monde.
va profiter à tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, tous ceux qui connaissaient Cotonou, tous ceux qui connaissaient les villes du Grand Okoué, quand ils reviennent, ils observent les changements. Et même aujourd'hui, nos villes du Grand Okoué peuvent rivaliser en matière de propriété avec des villes comme Accra. On ne parlera pas d'Abidjan ni de Ouagadougou. Donc, ça a profité. Et vous savez, aujourd'hui, le bien-être, ce n'est pas seulement ce que nous mangeons, mais c'est d'abord là où on vit. Ça a profité parce que, vous voyez, aujourd'hui, rien que en 18 mois, nous avons fait sortir 600 000 tonnes de déchets. Je dis bien 600 000 tonnes de déchets de nos villes, de nos quartiers. Donc nous avons évité de combler nos bas-fonds, nos cours d'eau avec 600 000 tonnes de déchets. Et c'est ce que nous avons fait pendant plus de 30 ans. Donc si aujourd'hui, vous voyez les investissements massifs que nous faisons dans la ville de Grand Okoué pour assainir, pour éviter les inondations, si on l'avait fait depuis 30 ans, tel qu'on gère aujourd'hui les déchets, si on l'a fait, peut-être qu'on aurait pu investir ces ressources-là ailleurs. Donc, aujourd'hui, nous arrivons à enlever systématiquement tout ce que nous produisons comme déchets. C'est une étape, parce que j'ai entendu tout à l'heure que ailleurs, les déchets constituent des richesses. Nous allons en arriver là très bientôt. En 2022, déjà, nous avons un compatriote qui vient d'installer une unité de recyclage des déchets plastiques et qui est en partenariat avec nous, avec qui nous sommes en train de travailler, parce que en 2022, nous allons trier au moins 100 000 tonnes de déchets. À partir de 2023-2025, nous allons augmenter en capacité parce que nous allons installer 4 unités de tri semi-mécanisées et 70 unités de tri manuelles. Donc, et avec la toute première expérience que nous sommes en train de faire aujourd'hui sur la seule unité de Foufou, au départ, on pensait que c'était seulement tout ce qui est recyclable, c'est-à-dire que déchets plastiques, bouteilles, etc. qui intéressaient. Bien justement, aujourd'hui, tout ce qui est matière fine, les maraîchers récupèrent désormais ça pour aller amender le sol. Donc, nous sommes dans un processus et nous sommes en train de travailler méthodiquement pour que nous puissions atteindre le niveau que les pays qui sont plus en avance sur nous, nous puissions atteindre ce niveau-là. Donc, nous avons besoin de ressources. C'est ça. Vous voyez, en un an et demi, tout ce que nous avons fait comme effort, parce que c'est nos impôts, c'est nos ressources, ce que notre budget national a pu faire en un an et demi, ce que les grands projets n'ont pas pu faire. Donc, vous comprenez que nous avons besoin de ressources. Et ce que la redevance aujourd'hui, elle n'est pas nouvelle. Elle se faisait. Mais l'État a décidé de différer cette contribution de ménage pour un an. C'est ça. Juste pour essayer de faire les études. Et nous avons bouclé les études. Nous savons déjà ce qu'il faut faire. Et comme vous l'aviez bien dit, c'est le gouvernement qui va fixer les coûts. Et vous l'avez également bien dit, les options que nous avons retenues, c'est sur les factures d'électricité et d'eau. Pourquoi? Oui, parce que par le passé, le dispositif qui a été ce qui se faisait avant n'était pas très efficace. Vous comprenez que on envoie les gens dans les maisons aller remettre les ressources. Ou c'était sur les avis d'imposition. Personne ne payait.
C'est pour ça que nous, après mûre réflexion, nous avons, le gouvernement a décidé que ce soit sur les factures d'électricité et d'eau que cette redevance soit imposée. Donc voilà. Est-ce qu'à partir des factures de la SBE et les factures d'eau, il y a la facilité de faire payer, puisque déjà les populations se plaignent de ce que leurs factures d'électricité et d'eau sont déjà salées? Oui. Pour faire... Alors, ajouter, si on doit ajouter à ces factures dites salées le coût des, je dirais, des ordures, où allons-nous? Non, le plus important, c'est que le ménage sache ce qu'il doit payer. Ce n'est pas... C'est deux choses différentes. C'est ça. Vous consommez l'énergie, vous consommez l'eau, vous devez payer. On ramasse vos ordures, on assainit votre cas de vie, vous devez contribuer. Parce que moi, je dis, c'est une contribution. C'est ça. Parce que tout ce qui contribue, participe au bien-être de soi-même et de notre environnement, on ne peut jamais le payer le prix. Donc, c'est une contribution. Donc, il y aura une sorte de solidarité qui va exister. C'est ça. Donc, c'est un peu ça. C'est la meilleure façon, la meilleure manière pour nous de pouvoir disposer de ressources pour pérenniser. Parce que nous n'allons plus revenir en arrière. Il ne faudrait pas. Nous n'allons plus revenir en arrière. Donc voilà. Pour pérenniser donc le projet et multiplier également d'autres projets, un peu comme il a notifié tout à l'heure, la transformation de ces déchets avec les structures qui vont s'installer. Alors, il a été dit qu'il y aura une certaine répartition sur les factures, 70% du coût du ramassage des ordures sur la facture d'électricité, 30% sur la facture d'eau. On suppose que le coût du ramassage de l'ordure, ça sera par mois. Je crois, absolument, par mois, un abonnement par mois. Donc, 700 francs sur la facture d'électricité, 300 francs sur la facture d'eau. Et il faisait la question de savoir si on est dans un ménage où l'abonnement, ce n'est que à la SBE 2E, c'est-à-dire l'électricité, il n'y a pas d'eau, comment ça va se faire, comment ça va se gérer? Alors, moi, je suis, quand vous prenez le Grand Okoué ou les ménages que nous desservons aujourd'hui, la majorité a l'électricité, même si le compteur n'est pas chez lui. C'est ailleurs. Oui. Donc, en prélevant sur celui qui a le compteur, c'est que systématiquement ça réagit sur lui. Celui qui a l'eau, sur là où le compteur est, il a certainement de l'énergie. Et donc, en prélevant l'eau, on va prélever systématiquement si le compteur même n'est pas chez lui. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que nous avons, les études ont montré que si nous faisons comme ça, nous allons pouvoir avoir les ressources dont on a besoin. Donc, et c'est là où je disais aussi la question de solidarité. D'accord? Et donc, l'essentiel pour nous, on ne va pas dire que toi tu as payé 300 francs alors que tu dois payer. C'est pas ça qui est le plus important. D'accord? C'est le plus important, c'est le juste prix que chacun doit payer pour que nous puissions, pour aider la société à assurer le service. Oui, oui, je pense aussi que nous parlons d'environnement. Et je pense que l'homme, pour sa bonne santé, doit se retrouver dans un environnement sain. Les efforts que fait la GDS pour assainir notre environnement sont louables. Il a déjà rappelé tantôt que effectivement par le passé on envoyait des individus dans les maisons pour collecter les sous. Quand on dit « on », c'était les structures privées de collecte d'ordures qui envoyaient des individus dans les maisons pour collecter des sous. La collection la collecte ne se faisait pas dans de bonnes conditions. S'il vient ici, papa n'est pas là, maman n'est pas à la maison. Il pouvait repartir et revenir quand il voulait, ou alors dire qu'il n'est pas, alors qu'il a pris les sous, dire qu'il n'est pas, tel n'a pas payé, parce que justement il n'était pas obligé de donner un reçu et tout. Donc je pense que le système mis en place par la GDS pour désormais faire en sorte que ce soit sur les factures d'électricité et d'eau qu'on puisse les collecter, qui de nous ne paie pas ces factures d'électricité et d'eau? Je pense que c'est systématique, sinon la coupure intervient peut-être une, deux semaines après. Donc, on sera tous obligés de se conformer à cette disposition. Sauf qu'ici, le plaidoyer doit aller dans le sens du montant
auquel va nous revenir la collecte de ces ordures-là. Je ne crois pas que ça nous pèse un peu trop. L'assiette est large, donc pour ça, ça ne va pas peser. Les factures sont déjà salées. Il ne faut pas que la collecte aussi en vienne à rajouter. Je crois qu'il n'est pas exclu de constater que dans les villes du Grand Okoué, qu'on retrouve des ménages qui n'ont ni abonnement d'électricité, ni abonnement d'eau. Et pourtant, ce sont des ménages qui produisent, Des ordures. Qu'en sera-t-il de ces ménages-là, monsieur le DG? Oui, je crois que toutes ces situations ont été étudiées. Et on trouvera des solutions pour que... Il y a des solutions qui sont en cours pour que ces ménages-là soient pris en compte. Au moment opportun, on va pouvoir revenir pour vous informer là-dessus. Je voudrais aussi préciser ce qui est très important. Même ce qu'on est en train de demander aujourd'hui, c'est juste pour l'exploitation, pour les charges de fonctionnement d'exploitation. Donc ce qu'on doit payer au PMEQ, ramasse les déchets, pour l'entretien de nos camions, etc. Tout ce qui est investissement, l'État continuera pas à mettre de ressources là-dessus. Donc, il faudrait que ça soit clair là-dessus. Alors, le ramassage des ordures, pardon, se fait par ménage. Nous prenons le cas des cours communes, c'est-à-dire des maisons en location où il y a plusieurs ménages et donc plusieurs compteurs d'électricité. Comment se fera la facturation? Est-ce sur chaque compteur ou sur un seul compteur mère, par exemple? Ah non, mais si c'est le compte, de toute façon, on n'en dit pas ménage. Donc, s'il y a plusieurs compteurs dans le ménage et dans la maison, ça veut dire que c'est tous les compteurs, d'accord? Si c'est un seul compteur qu'il y a, c'est un seul compteur. De toute façon, on a dit par ménage. Dès que vous êtes abonné à la SPE, à partir de là, ou bien dès que vous êtes abonné à l'eau, à partir de là, ce que vous devez payer, c'est clair là-dessus. D'accord. Alors, oui, ce qu'il faut noter dans ce cas, c'est peut-être soulever certaines inquiétudes après les explications du directeur général de la SGDS. C'est quoi? Un, les ménages dans lesquels... Parce qu'on sent qu'il n'y aura pas égalité de contribution, égalité en termes de participation. C'est-à-dire qu'on a à Siombo, dans le ménage, par exemple, la maison produit plus d'ordures. Mais parce que c'est une cour commune, ils sont une dizaine dans la maison, ils produisent plus d'ordures. Mais comme ils ont un seul compteur, comme on dit souvent compteur, mais avec les petits décompteurs chez eux, on prélève sur le seul compteur. Mais chez nous, on est peut-être 4 ou 5 et qu'il y a différents compteurs, eh bien, on prend le même montant sur le nombre de compteurs. Ça veut dire que nous qui sommes 4, on ne peut pas... Ce n'est pas évident que nous produisons beaucoup plus d'ordures que chez Asiondo où ils sont 10. Ça, c'est un. Deuxième chose... Deuxième chose, autre chose très rapidement. Là où ça devient compliqué et que ça soulève des inquiétudes, c'est l'inertie de certains ministères dont les services, par exemple, devaient être sur le terrain et faire preuve de contrôle. Ça veut dire que vous avez de ces ménages où votre compteur est aux mains du propriétaire de la maison. Vous êtes locataire et c'est lui qui vous vend le kilowattheure. Il n'y a aucun contrôle. Il se dira que désormais la facture est salée, il y a la SGDS ou le ramassage des ordures qui passe par là et il vous augmente par exemple le kilowattheure qu'il vous vendait à 250 à 400 francs. Vous irez vous plaindre chez vous qui? Vous déménagez, vous allez chez quelqu'un qui a aussi le kilowattheure à 400 francs. Parce qu'ils sont... Vous voyez, il n'y a pas un service de contrôle qui vient imposer aux propriétaires ou à ceux qui louent ces maisons. Je sens le DG impatient de réagir. Oui, on vous écoute, oui. C'est une très bonne réflexion. Et nous l'avons fait aussi, cette réflexion. Et des solutions seront proposées pour dissuader ou bien amener à régler ces problèmes-là. D'accord. Oui. Donc, mais je me garde de dévoiler les stratégies que vous voulez mettre en place. C'est une très bonne réflexion parce que ça
on n'y est pas fait. Monsieur le juge, quel est le mécanisme qui sera mis en place et qui pourra permettre à la SB2E et puis à la SONEB de facturer, ou bien lorsque le montant sera retenu, ça va être, comment dit-on, ça va être ajouté. C'est clair, si il y a des logiciels, en tout cas la réflexion est très avancée sur ces questions-là. C'est un peu après, comme, il y aura un système de facturation. C'est comme vous voyez aujourd'hui, quand vous payez l'électricité, on vous dit de payer un franc pour l'électrification rurale. C'est un peu comme ça. Je pense que oui, par rapport aux réflexions qui se poursuivent, elles doivent se poursuivre à mon avis, parce qu'il y a plusieurs cas de figure. Il y en a par exemple chez qui c'est les panneaux solaires, par exemple. Il y en a chez qui c'est panneaux plusieurs... solaires et forage. Oui, forage. Il y en a chez qui par exemple c'est des ménages qui, dans lesquels il y a peut-être deux ou trois qui ont le compteur, et les autres préfèrent utiliser notre lampion d'antan ou la lanterne d'antan pour éclairer ou des bougies même pour éclairer. Dans ce cas, qu'est-ce qui va se passer? Je pense qu'il faut poursuivre les réflexions, mais le DG a bien fait de sortir le mot solidarité. C'est qu'il faut faire en sorte que Ouakha va faire tout à l'heure il a parlé de solidarité, il a parlé également de contribution. Voilà, c'est contribution. Ouakha a fait tout à l'heure l'exemple de ceux qui sont dans une cour commune qui produisent assez de déchets, alors que ailleurs ils sont très peu, ils produisent peu de déchets. Je pense que c'est contribution, c'est solidarité, et les mots pour ma part pèsent bien, quoi. Alors, un autre aspect, comme je disais, c'est les services de nos ministères qui doivent faire le contrôle, la SGDS qui doit être exigeant vis-à-vis de ses ouvriers. Entre temps, on a parlé de gratuité, cette page est fermée. Dès lors que vous contribuez et qu'on ne vient pas ramasser les ordures, ça pose un problème, parce que la SBE ne vient pas à la maison vérifier si chez Eman les ordures ont été ramassées ou non. À la fin du mois, sur votre facture d'électricité ou d'eau, c'est que vous avez votre consommation, et on vous met sans doute en bas qu'il y a tel montant que vous devrez payer pour le ramassage des ordures. Alors, quand ces ordures ne sont pas ramassées, et quand il n'y a pas le contrôle, alors que vous payez, vous contribuez, vous êtes solidaire, vous participez, vous voyez combien ça pèse, monsieur le directeur général. Oui, mais nous avons pris la mesure de cette situation, parce que c'est aussi un défi pour nous. C'est ça. Et donc, c'est pour ça que nous serons plus exigeants. Et nous sommes en train de mettre en place un programme pour accompagner ces PME. D'accord? Pour que, d'abord, en termes de services publics, que ces ouvriers puissent respecter les ménages, puissent rendre le service comme cela se doit. Et prendre les mesures également pour sévir. Aujourd'hui, nous avons rompu des contrats avec les PME qui ne font pas bien leur travail. C'est ça. Donc, ce que vous dites est vraiment très important. Quand on commence par demander une contribution, une redevance aux bénéficiaires, nous devons également être exigeants envers nous par rapport à la qualité du service que nous devons rendre. Voilà. Donc, sur ça, nous n'allons pas nous prenons toutes les dispositions parce que les ménages vont devenir très exigeants désormais. Absolument. Voilà. Parce donc nous en sommes très conscients. D'accord. Avant de vous laisser partir, techniquement, est-ce que la SGDS est prête pour que la facturation soit au plus tard le 1er avril 2022? Ensuite, nous avons des messages de téléspectateurs qui veulent savoir quand est-ce que le montant sera fixé pour qu'ils se préparent. Non, je pense que moi, notre pédagogie, c'est d'abord d'informer. Oui. Pas pour dire que non. Parce que quand vous ne le faites pas, on va vous accuser que vous avez attendu la veille pour les informer. D'accord, nous avons dit un an de gratuité, nous sommes à 18 mois. Et quand on commence pas à s'apprêter, il faut quand même informer. Donc, c'est d'abord ça. Donc, ils n'ont qu'à s'apaiser. Il n'y a pas péril en la demeure. Et continuer à s'apprêter. Oui, continuer à s'apprêter. Donc, le moment venu, on va revenir avec... nous travaillons pour que, avec, bien sûr, vous, les médias, les organes de presse, pour que
on puisse suffisamment informer nos concitoyens sur le coût, comment ça va se faire, etc. Donc c'est ça. Il ne faudrait pas qu'on s'affole, qu'on dise non, non. C'est d'abord informer. D'accord. Donc c'est notre pédagogie. Ça. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous, Valérie Lanson. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes le directeur général de cette société, la société de gestion des déchets de la salubrité. Merci d'être passé par ici. On va vous libérer. Le plateau, vous restez en place. On va merci poursuivre avec le sujet pêle-mêle. LBM, notre passion vous transporte. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 est sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité, pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévision, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95 74 29 23, 95 74 29 25, 97 77 33 02, 96 61 13 30, 69 17 99 99, 69 23 55 55, 61 62 12 02, WhatsApp, email canal3benin@yahoo.com, info@canal3television.com, fraternitefm@yahoo.com, fraternews@yahoo.com. Eh bien, on va dire un mot sur cette actualité qui est sortie du Conseil des ministres d'hier. On parle d'un total de 197 rapports produits par 14 ministères envoyés à la présidence de la République. Et ces rapports révèlent donc des irrégularités constatées au niveau de ces différents ministères inspectés par l'inspection ou les inspections générales des différents ministères. On parle d'une somme d'environ 1 milliard 300 millions de francs CFA détournés. Que devait-on dire? Une partie de notre élite qui continue de dilapider les ressources publiques ou à Rabalipara? Oui, Christian Dandéja, nous parlons ce matin d'1 382 177 711 francs CFA. Ça, c'est le point qui est fait dans 14 ministères. Il faut rappeler qu'il y a un peu plus de 88 millions qui sont déjà remboursés, même si on dit que le remboursement n'efface pas la faute commise au regard du droit. Ça veut dire que ce n'est pas parce que vous avez remboursé que s'il faut, tel que le Conseil des ministres l'indique, prendre des sanctions disciplinaires à votre encontre, qu'on ne le fera pas. S'il faut des poursuites judiciaires, qu'on ne le fera pas non plus. Non, on constate juste que malgré la rigueur du régime de la rupture, il y en a qui sont tapis dans l'ombre, hein, très ingénieux, qui trouvent des formules pour contourner les barrières, les mesures prises pour empêcher la corruption, pour empêcher le détournement des deniers publics. On dit
dirait qu'il y en a qui sont dans leur bureau et lorsque le chef de l'État, le ministre de l'Économie et des Finances, les autres structures qui parlent de lutte contre la corruption, ils sont là et se disent, oh bon, qu'est-ce qu'ils disent? Et donc, eux, ils continuent avec les anciennes pratiques. C'est ce qu'on a noté. Maintenant, il y a une chose à encourager au moins, c'est de voir que le coût, contrairement au passé, n'est pas aussi criant que ça. Il y a ça. Ça veut dire que nous avons fait un effort. Malgré la peau dure des mauvaises habitudes, il y a un grand effort qui est fait. D'accord. Cependant, n'est-ce pas, il faut continuer à serrer les choses, c'est-à-dire à sanctionner de manière à décourager ce peu d'individus, ce peu de cadres dans l'administration bien habillés qui pourtant continuent de détourner les données publiques. Oui, il faut noter que, comme le disait Wahab, ceux qui sont chargés de gérer nos deniers publics ont du mal à se mettre au pas. Et c'est vrai que le montant n'est pas aussi criant, comme le disait toujours Wahab, mais c'est des choses qu'il faut effacer de ses habitudes, surtout lorsqu'on sait que le gouvernement actuel est en train de combattre la corruption. On était habitué à détourner les deniers publics et puis on a du mal à se départir de ça. C'est quand même bizarre. Et tout le monde sait qu'avec le gouvernement de la rupture, aucun détournement, aucun acte de corruption ne reste impuni et que les auteurs répondront de leurs actes forcément. Justement, puisque les ministres sont instruits afin de mettre en débat par le ministre de l'économie et des finances les personnes qui sont responsables de cet acte dont nous parlons ce matin. Moi j'ai une question, je ne sais pas si vous avez la réponse, Herman Aniambosu, quel est le rapport des cadres béninois avec les fonds publics, l'argent? Je pense que le rapport des cadres le fonds public, c'est des rapports de confusion. On confond très vite les fonds publics à sa poche. On pense qu'il faut, comme il n'y a personne pour regarder, peut-être qu'on fait des surfacturations, on fait n'importe quoi pour pouvoir s'en mettre plein les poches. Je pense que c'est pas mal. Ils l'ont dit avant moi. C'est sur 6 mois, le document présenté, janvier à juin 2021. 1 milliard et quelques 300 et quelques millions, je crois, 1 milliard 384 millions. On dit que 88 millions sont déjà retournés, ont déjà été payés. Oui, ça ne fasse pas la faute. Maintenant, il faut souhaiter que la Cour des comptes puisse vraiment démarrer son job, parce qu'on a désormais une Cour des comptes au Bénin. Il faut souhaiter que le recrutement se fasse très vite pour que ces auditeurs de la Cour des comptes puissent vraiment se mettre au travail pour faire en sorte que ces différents rapports ne soient plus laissés au seul contrôle des inspecteurs généraux des ministères. Parce que justement, ce qui est écrit là, je veux croire que c'est ce qui est effectivement le cas, mais une Cour des comptes viendrait nous dire clairement ou exactement qui a volé quoi, qui s'est mal comporté, qui a fait ci, pour qu'on puisse vraiment procéder à une mise en débat et donc à une poursuite qui vraiment respecte les normes, pour qu'on ne dise pas après, vous vous rappelez ici dans un contexte de cantine scolaire, alors qu'on a dit qu'un directeur d'école a volé telle chose, après il est venu nous dire non, qu'il n'a jamais été question de vol et que c'était plutôt pour d'autres choses qui n'ont pas été tout de suite, ce n'est pas les inspecteurs. Je pense que c'est mettre en place les structures. Et il faut peut-être aussi regretter que le FONAC, d'antan qu'on connaissait, et qui essayait de tirer un peu pour dire attention, dans tel ministère il se passe des choses, dans tel, que ce FONAC n'existe plus aujourd'hui dans la forme où on la voyait. Auquel cas, on aurait vu un Jean-Baptiste Elias aujourd'hui en train de dire j'ai une pile de dossiers sur tel ministère, et donc permettre d'être notre œil dans ces différentes structures. Je pense que c'est ce qu'il faut souhaiter pour un état de droit. Voilà, merci beaucoup. Vous avez quelque chose à ajouter? Non, tout a été dit. Merci Wahab, merci à vous. Assiomo Kaina Assiomo, Herman Parfait, Aniambosu, merci. Nous allons parler de l'agriculture ce matin et surtout des systèmes d'information qui sont désormais mis à contribution pour booster le secteur. On fera un tour du côté du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche avec le directeur des systèmes d'information de ce ministère, Dr Abdoul Aziz Sobabet. Il est notre invité.
LBM. Notre passion vous transporte. Pour les fêtes, il n'y a rien de plus magique que de vivre de bons moments en famille. C'est la fête de Noël. Alors rejoignez celle de Canal+ et passons les fêtes ensemble. Pour vous souhaiter la bienvenue, le décodeur est à 1000 francs seulement. C'est la fête de Noël. Ça sera la musique ou rien. C'est tout. De quoi rire. Nous avons un duel Afrique de l'Ouest, Afrique centrale. Danser et enflammer vos soirées. Extraordinaire frappe. Partager des moments forts, pleins de rebondissements. Splendide. C'est grandiose. Et même faire rêver les plus petits. Passage en vitesse, Mac Noël. Tout est prêt pour qu'on profite de Noël ensemble. Attention, attention, la Covid-19 continue de sévir. Pour vous protéger et protéger les autres, vaccinez-vous. Vous êtes âgé de 18 ans et plus, vous pouvez recevoir les doses de vaccin contre la Covid-19. Vous avez 12 ans et plus, le vaccin Pfizer peut vous être administré. Alors faites le geste qui sauve. Rendez-vous dans les postes de vaccination implantés dans les formations sanitaires de votre arrondissement et de votre commune ou appelez le 136 pour tout renseignement. Les vaccins contre la COVID-19 sont sûrs, efficaces et gratuits. Pour tout savoir sur l'épidémie de coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. C'est une révolution désormais dans les structures d'État, notamment au niveau des ministères sectoriels. Et ce matin, nous allons parler des systèmes d'information avec notre invité, Dr Abdul Aziz Sobabet. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bienvenue. Vous êtes directeur des systèmes d'information du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Oui, dites-nous, les systèmes d'information désormais au service des différents ministères, c'est une révolution, devrait-on dire? Bien sûr, c'est une révolution. Bon, mais il faut dire, la fonction existait déjà. Dans un premier temps, c'était au niveau au rang de chef de service. À un moment donné, ça a été élevé au rang de directeur. On parlait dans un premier temps de directeur de l'informatique et du préarchivage. C'était pas la bonne manière de l'appeler. Avec donc le régime du président Talon, il y a eu cette réforme pour la mise aux normes. Et donc, désormais, on parle de direction des systèmes d'information. Alors, que faites-vous exactement au niveau de ces directions? Au niveau de ces directions, nous avons pour mission d'accompagner les métiers, les sectoriels, donc à réorganiser, à restructurer l'information au niveau du ministère. Organiser l'information, structurer, sécuriser l'information et donc pouvoir tirer la meilleure valeur de l'information au service de l'État. Voilà. Il y a au niveau de votre ministère des innovations que vous avez apportées pour la transformation digitale de plusieurs filières, notamment la filière ananas. C'est quoi cette innovation? C'est quoi ce changement? Et c'est quoi déjà les résultats? Oui, cette innovation, déjà, il faut dire que la filière ananas est une filière très importante pour notre pays. Le Bénin est le quatrième exportateur en Afrique de l'ananas. Et nous voulons aller loin. Nous voulons, pourquoi pas, devenir le premier producteur, le premier exportateur de l'ananas en Afrique. Voilà, donc pour y parvenir, il faut déjà avoir une bonne organisation de la filière. Cette organisation de la filière, nous avons voulu apporter une touche de digitalisation. Par le passé, lorsque nous envoyons les agents sur le terrain collecter l'information, vous savez que toute décision se base sur l'information. La fiabilité de l'information dépend de la qualité des décisions que vous prenez. Et donc, les agents, par le passé, ils vont sur le terrain avec des questionnaires papier. Ils prennent les informations. Pour prendre une superficie, par exemple, ils demandent au producteur, vous savez, quelle superficie le producteur déclare et il consigne. Mais ils n'ont pas mesuré, ils n'ont pas les moyens de pouvoir mesurer parce que c'est assez fastidieux. Désormais, avec le smartphone, quand vous allez à ce niveau-là, vous déclenchez la fonction de tracking, vous faites le tout, à la fin, c'est l'application qui vous donne la superficie. Également, le géoréférencement. L'agent de collecte, l'instant où il est en train de collecter l'information, nous pouvons le savoir, nous projeter l'information sur la carte et nous pouvons savoir s'il devait être à Bonou et qu'il est à Dango. On peut le dire, attention, vous n'êtes pas là où vous devriez être. Et donc, désormais, nous avons des informations qui sont plus fiables, qui sont plus sécurisées parce que c'est dans le cloud, c'est pas dans les ordinateurs des cadres qui peuvent partir à tout moment et donc faire souffrir même les autorités du ministère quand on a besoin de l'information. L'information est désormais sécurisée dans le cloud, plus fiable
et plus facilement accessible. Parce que, quelle que soit notre position, nous pouvons donner accès à toute personne en fonction donc des profils que ces personnes ont, de l'information qu'on veut qu'ils puissent avoir accès. Et ça, avec ça c'est un aspect. C'est un aspect, oui. Voilà, ça, c'est un aspect. Le deuxième aspect, c'est que nous avons commencé par introduire l'utilisation des drones dans le conseil agricole. Vous savez, le conseil agricole, c'est pratiquement le premier input dans la promotion des filières. Mieux vous avez le conseil agricole, mieux vous produisez, mieux vous avez des rendements. Parce que l'information, quand vous devez utiliser en fonction de votre zone tel type d'intrant et que vous ne le savez pas, vous utilisez un autre type d'intrant, le rendement baisse. Quand vous devez savoir que je dois produire, je dois semer à telle date, si vous n'avez pas la bonne information, voilà. Donc, le conseil agricole, désormais, nous utilisons les drones qui peuvent aller au-delà des conseillers agricoles. Un drone peut prendre une image. Donc, ce que nous avons fait de façon concrète là, nous prenons des images de drones à travers un vol et puis ces images-là sont analysées par des algorithmes qui sont basés sur l'intelligence artificielle. Et donc, in fine, ça sort des informations sur le nombre de fruits que vous avez sur votre parcelle. Sur votre parcelle, là où il y a des poches d'attaque parasitaire, on peut le savoir. Là où il y a des échecs de floraison, tout ça, donc, l'algorithme analyse et vous sort ces informations. Informations qu'un conseiller agricole ne peut pas humainement avoir dans un laps de temps. Alors, vous avez toutes ces informations à disposition, ce qui aujourd'hui booste un peu notre agriculture, si on devait le dire ainsi. Exactement. Et ça permet vraiment aux producteurs d'avoir désormais le conseiller agricole de meilleure qualité et à un coût réduit. Voilà. Alors, les systèmes d'information existent un peu partout, comme je l'avais annoncé tantôt, au niveau des différents ministères sectoriels. Et à un moment donné, vous avez décidé d'aller à une compétition. Oui, effectivement. Et c'est le ministère de l'Agriculture avec ses innovations qui a finalement gagné. Racontez-nous un peu, il s'est agi de quoi? Bon, il s'est agi en réalité d'une initiative du club DSI Bénin. Dans plusieurs pays, il y a les clubs DSI, donc les DSI du privé, du public qui s'organisent pour avoir une association pour pouvoir faire la promotion de leur métier. Et donc au Bénin, nous avons un club DSI dont j'ai même eu l'honneur, j'étais dans le tout premier bureau. Nous avons fait deux mandats pour donc assoit les bases de ce club. Actuellement, il y a un nouveau bureau qui est en place. Et donc, c'est un mandat de combien de... C'est un mandat de 2 ans. De 2 ans. Renouvelable une fois. C'est ça. Donc, j'ai eu affaire avec mes collègues 2 fois 2 ans. Voilà, pour asseoir les bases donc, de ce club. Et donc, le nouveau bureau qui est venu donc, à la suite des actions que nous avons eu à mener, a donc pris l'initiative en collaboration avec le cabinet Deloitte Bénin et donc d'organiser pour la première fois au Bénin donc, les DSI Awards. Donc, une compétition où les DSI des différents ministères et des différentes structures publiques et privées du Bénin donc, proposent des projets donc, sur la base des innovations qu'ils ont eu à apporter dans leur secteur. Et donc, voilà, le processus a été suivi, nous avons soumissionné. Il y a eu plusieurs étapes de présélection, de sélection, de vote, par le jury, par le public, par les spécialistes du domaine. Et donc, in fine, au total, il y a 10 catégories. Il y a 10 catégories, donc les deux premières catégories. La première catégorie, c'est la catégorie de DSI innovant. La deuxième, c'est la catégorie de DSI résilient. Et donc, il s'est fait que les projets soumis par le MAEP ont donc remporté les deux premiers prix au niveau de ces deux premières catégories. Alors, nous avons les prix que vous avez raflés, les Exactement. Deux premiers prix, innovants et résilients. Oui, quels sont les projets que vous avez présentés et qui ont, disons, mérité, mérité ces prix? Pour le premier cas de DSI innovant, comme vous constatez, donc, nous avons eu à utiliser une combinaison de plusieurs technologies. Dans ce projet-là, nous avons utilisé de l'intelligence artificielle, comme je disais, pour programmer des algorithmes qui vont détecter les maladies, compter le nombre de fruits, etc. C'est quelque chose qui n'est pas vraiment courant. C'est pas très courant. Nous avons utilisé des drones au sein de notre direction. Nous avons un cadre qui a été suivi une formation, la certification sur le pilotage de drones, ainsi que l'analyse des images de drones. Donc, c'est également ça. Nous avons également fait beaucoup de cartographie. Aujourd'hui, puisque les données que nous collectons sont géoréférencées, nous pouvons les projeter sur une carte. Aujourd'hui, le ministre peut avoir sur une carte la position donc, de tous ceux qui font de la transformation de l'ananas au Bénin. Rien que par un coup d'œil sur le territoire, il sait que dans telle commune, il y en a, il peut donc dire, mais attention, il y a des zones où on ne fait pas de la transformation, c'est quand même bien qu'on puisse promouvoir la transformation dans tel autre endroit, etc. Donc, ça facilite vraiment les prises de décision. Donc voilà, il y a également le cloud, comme j'ai dit, désormais nos données sont sécurisées,
ne sont pas, je sais pas, à la disposition d'un cadre qui peut donc en disposer comme il veut. C'est sécurisé, c'est fiabilisé et l'accès est très facile. Mmh. Ça, donc, c'est pour le premier projet. Le deuxième projet, ça, c'est au niveau de la sécurité informatique, mmh, que nous avons donc eu à apporter un certain nombre donc d'innovations. Cette innovation-là, c'est deux volets à ce niveau également. Nous avons mis au point pour la première fois. Quand je dis pour la première fois, c'est quelque chose qui n'avait jamais été fait dans le monde. C'est donc un algorithme, là également, un algorithme qui fait de la fusion séquentielle adaptée. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Ça veut dire quoi ? La fusion séquentielle adaptée au niveau de l'authentification biométrique, ça veut dire que par le passé, nous pouvons utiliser une combinaison de plusieurs modalités pour reconnaître un être humain. Mmh. Le visage, par exemple, vous le savez, la reconnaissance faciale, la reconnaissance par l'empreinte digitale, par la démarche. Il y a plusieurs modalités par lesquelles on peut faire de la reconnaissance humaine à travers donc les modalités de son corps. Donc, il y a un algorithme par le passé qui permet de faire une combinaison de plusieurs modalités de façon séquentielle. Mais il n'était pas possible, puisque là, on n'utilise que des données biométriques, d'utiliser des données biométriques, mais également des métadonnées en plus, de façon séquentielle. Une métadonnée, c'est quoi? C'est comme, par exemple, chez l'être humain, la couleur de peau, votre taille, votre poids, votre sexe. Mmh. Ça, ce sont des métadonnées. Le visage, l'empreinte digitale, ce sont des données biométriques. Oui. Voilà. Donc, on n'arrivait pas jusqu'à présent à faire une combinaison des données biométriques et des métadonnées, de façon séquentielle. Donc, c'était un challenge, un défi qui était lancé depuis 2009 suite à des travaux de chercheurs français. Et donc, eux, ils ont mis au point la fusion séquentielle. Et donc, ils ont dit qu'on peut également travailler à la fusion séquentielle adaptée. Mmh. Donc, c'est ce challenge auquel je me suis donné. Et donc, en dehors de la fonction de DSI, il fallait rentrer au laboratoire, à l'université. Et donc, pour pouvoir concevoir cet algorithme, mmh, après 3 ans de travaux. Et mais in fine, sur le chemin, un obstacle s'était également glissé. Cet obstacle-là, c'était que nous avons choisi d'utiliser la couleur de peau, pensant que des gens avaient déjà travaillé sur cette problématique et qu'un algorithme existait qu'on va utiliser. Mmh. On n'en a pas trouvé. Mmh. Il fallait donc, pour une première fois également, concevoir un algorithme. Et c'est fait. C'est fait. Mmh. Ça a fait l'objet de publications scientifiques. Et donc, c'est bravo, félicitations. Et voilà. Tout cela profite à l'agriculture béninoise. Bien sûr, bien sûr. Parce que c'est de la sécurité. C'est de la sécurité. Nous pouvons implémenter ça en pratique. Par exemple, lorsqu'on accorde des crédits aux producteurs, pour pouvoir accéder à ces crédits-là, on peut vérifier à chaque fois donc l'authenticité de ceux qui viennent prendre les crédits pour s'assurer que c'est bien les personnes. D'accord. On va boucler notre entretien. Les perspectives, c'est quoi après tout ça? Les perspectives pour la filière Anana, c'est que nous voulons travailler désormais donc sur l'aspect de la traçabilité. Traçabilité, c'est-à-dire quoi? De façon pratique, nous voulons faire en sorte que l'Anana du Bénin, que vous soyez au Bénin ou à l'extérieur, quand vous allez dans un supermarché, en voulant acheter de l'ananas, vous pouvez scanner un code QR pour pouvoir savoir donc, si c'est de l'ananas béninois, ça a été produit quand, ça a été exporté quand, c'était sur quelle commune, dans quelle commune ça a été produit. Donc, un certain nombre d'informations clés au producteur pour donc lui faciliter les prises de décision à l'achat. C'est ça. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Félicitations à vous. Merci beaucoup. Et bon courage. Merci. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes Dr Abdulaziz Sobabet, à l'Itaïrou. C'est ça, directeur des systèmes d'information du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. On vous accompagne avec la pause pub et juste après, vous aurez votre revue de presse, décryptage et présentation de l'actualité du jour, Narcisse Alossé. LBM, notre passion vous transporte. Bonjour à toutes et à tous. Comme c'est de coutume, les journaux parus ce jeudi 13 dans leur colonne les décisions issues du Conseil des ministres.
au nombre de celles-ci, informent mes confrères, il y a un projet de recrutement annoncé au niveau des forces armées béninoises et de la police républicaine. Dernier conseil des ministres de l'année, défense et sécurité, du renfort avec 1500 militaires et 2000 policiers à recruter, écrit en gros titre le quotidien Fraternité. Un recrutement qui, poursuit le journal, sera fait à la faveur d'un concours et les admis seront formés et dotés d'équipements nécessaires pour l'accomplissement de leur mission. La publication souligne que ce recrutement intervient au lendemain des attaques terroristes perpétrées dans le nord du pays. Le même sujet fait la 2 de 1 du journal L'Autre Vision. Renforcement de l'effectif des forces militaires et paramilitaires, un recrutement de 2000 policiers et 1500 personnels des forces armées béninoises annoncé, titre la publication pour laquelle Patrice Talon sort le grand jeu. Nord-Sud quotidien lui précise que ces recrutements seront faits au cours de l'année 2022. Toujours dans le communiqué du Conseil des ministres, les journaux relèvent une malversation dans les ministères. Le quotidien matinal en fait sa manchette et nous apprend qu'un milliard de moins perçus pour l'État ont été constatés dans les ministères. À en croire le communiqué qui a sanctionné la rencontre hebdomadaire des membres de l'exécutif, ces actes de détournement de données publiques sont contenus dans les rapports des inspections générales des ministères. Des rapports, 197 au total, qui ont été examinés en Conseil des ministres. Plus d'un milliard de francs CFA détournés donc par des cadres de plusieurs ministères, écrit le quotidien Fraternité à sa D de une. Le journal va dans les détails et nous apprend que le directeur départemental Oumé Plateau du cadre de vie et du développement durable a à lui seul dévié 2 200 000 francs CFA à travers des tickets valeurs. Mais déjà, informe Fraternité, près de 89 millions de francs CFA ont été remboursés. Une révélation qui, commente mon confrère, démontre une fois encore qu'au moment où le régime de la rupture use de toutes les stratégies pour lutter contre les malversations, certains cadres font aussi feu de tout bois pour contourner le système. La malversation à la peau dure au Bénin, conclut le quotidien Fraternité pour lequel le régime de la rupture a encore du chemin à faire pour venir à bout de ce phénomène. En tout cas pour le quotidien La Cloche, plusieurs agents indélicats officiant dans quatre ministères sont dans de beaux traits, surtout avec l'existence de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET. Dans la suite, ce matin, le journal L'Autre Vision nous apprend que le directeur général de la Société de gestion des marchés autonomes du Bénin Sogema a reçu des lauriers du Vatican pour ses actions au profit de l'enfance malheureuse. Et c'est le nonce apostolique près le Bénin Togo qui a transmis à Armand Gancet les félicitations et bénédictions du pape François. Le journal rappelle qu'au nombre des actions qui ont valu à Armand Gancet la reconnaissance du clergé catholique, il y a la mise à disposition des sœurs salésiennes de Don Bosco, un centre d'écoute et d'accueil par la Sogema. Un centre qui, poursuit le journal, s'emploie chaque année à assurer l'insertion socio-professionnelle aux enfants placés appelés Vidomégon, rencontrés dans les marchés sous tutelle de la Sogema. Un élan de cœur salué donc par le pape François martèle L'Autre Vision. Le même journal publie en haut de une la réaction de Casimir Kanakin quelques jours après l'annonce de la revalorisation du salaire des fonctionnaires béninois. Et pour ce soutien de Patrice Talon, cette décision est un exemple de la mise en œuvre du hautement social dont a parlé le premier des Béninois. Le chef de l'État est de plein pied dans le hautement social, a affirmé Casimir Kanakin, qui appelle le peuple à soutenir le régime en place dans la mise en œuvre de ses réformes. Du sport pour mettre un terme à ce tour d'horizon de l'actualité. Et c'est le quotidien Fraternité qui nous apprend que le Bénin rêve d'organiser une Coupe d'Afrique des Nations de football. Mon confrère s'appuie surtout sur les propos du secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement qui, lors de sa dernière sortie médiatique, a annoncé la construction de 2 stades aux normes internationales. À en croire Wilfried Léandre Ngbedi, cité par Fraternité, abriter une compétition majeure reste l'un des plus grands défis du régime de la rupture. On avait dit une vingtaine de stades pour compléter les 22 déjà existants, mais en voyant la perspective aussi avec la possibilité de faire abriter à notre pays de grandes compétitions internationales avec des stades aux normes internationales comme l'exige la CAF et la FIFA, nous allons refaire totalement le stade Charles de Gaulle de Porto Novo et nous allons construire un grand stade à Parakou, a dit le porte-voix de l'exécutif, pour qui les dernières sollicitations du stade de l'amitié général Mathieu Kérékou de Cotonou ont permis au gouvernement de rêver grand. C'est l'essentiel à retenir ce matin de l'actualité.
vu et commenté par les journaux. Merci de m'avoir suivi et à demain. Allez, Météo Bénin nous a offert les prévisions sur le temps et chez vous, c'était votre rendez-vous matinal sur Canal 3, Actu Matin. Merci à chacun et à tous de votre attention. Rendez-vous demain, vendredi, veille Noël. Eh bien, vous aurez un très beau plateau avec l'ensemble des débatteurs au forum de discussion et nos différents invités. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, gardez le sourire, ça fait du bien. Au revoir.